What's up? J'espère que tu vas bien, tout se passe bien, tu as les choses bien. Aujourd'hui, sans épaule, faire ça bien. Que épaule, hein, normalement. Peut-être un peu bras. Je rentre du taf, je suis mort. J'ai pris 2 jours de repos. Là, je suis bien. Mais le travail, ça fatigue. Parce que si tu veux, j'ai eu 1 jour de repos. Enfin, j'ai eu 2 jours de repos consécutifs au taf. Et j'enchaîne 5 jours, tu vois. Non, j'enchaîne 6 jours, pardon, de travail d'affilée. Là, je suis au 5e jour et je suis mort. Franchement, je suis mort. Mais je me suis dit, je vais t'envoyer une bonne séance. Épaule, avec de la congestion, avec tout ça. Histoire de te montrer comment je peux faire une séance épaule malgré la fatigue. Parce que c'est important. Donc, élévation latérale, hein, tu connais. Compte pas les séries, histoire d'être bien chauffé, bien congestionné et de commencer. Sinon, merci pour les retours, les commentaires. Franchement, si t'aimes, hein, ce genre de contenu, mais des commentaires, c'est important, ça m'aide. Ça m'aide pour la chaîne. Allez. Ok. Ouais. Je pense qu'on va envoyer le premier exercice dès maintenant. Parce que j'ai eu la bonne idée de prendre qu'une seule batterie de ma caméra. Donc normalement, ça va tenir pour la petite séance que je vais faire. Mais on va partir sur du 3 séries, ok? Par exercice. Premier exercice, on va se faire élévation latérale avec halter. On va se faire 8 répétitions normales et 8 répétitions en prise supination, tu vois? Comme on fait d'habitude. 8-8, histoire d'être bien et bien chauffé très rapidement. J'ai pris les 8 kilos. Normalement, ça risque de piquer, ça risque de me faire mal. Parce que je cherche vraiment à avoir une congestion vite et forte et bien prononcée. Donc, je cherche ça bien. Allez, c'est parti. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, ok. Supi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, parfait. On est bien. Là, j'ai envoyé plein de messages de salles de sport à Saint-Etienne. J'ai vu qu'il y a quelques salles qui sont cool, dont une qui s'appelle Espace Cardio. Je leur ai demandé si je peux filmer dans leur salle et tout, faire des vidéos. Ils ont dit ouais. C'est une salle, si tu veux, haut de gamme. C'est une salle où voilà, t'as une partie musculation, t'as des parties cross-training, cours collectif, et t'as aussi une partie hammam, piscine et tout. Donc ça, ça peut être intéressant. Je vois si je peux faire des vidéos là-bas, parce que l'idée, c'est que je change de salle régulièrement, mais j'aimerais bien proposer aussi mes offres en termes de communication marketing vidéo à une salle de sport, ok? J'étais avec Fitness Park, mais je sais pas, tu vois. Je pense que je vais voir avec Espace Cardio, histoire de monter la salle, tu vois. Je sais que la salle, ils ont des réseaux qui gèrent mal, clairement, toutes les salles de sport. Et moi, j'aimerais être la personne qui va leur apprendre à gérer leur réseau correctement, avoir du contenu correct. Et ça, ça me servir à montrer à d'autres salles de sport si je veux m'occuper d'eux, ok. Mais pour ça, il me faut une salle CV, ok. Donc, je vais voir avec Espace Cardio si tout se passe bien. On va discuter, on va parler. S'ils sont aimables, parce que voilà, c'est des services que j'offre. Donc, il faut vraiment que en face, ça soit réceptif, soit aimable. Ça comprend l'idée, la démarche. Et puis, c'est parti. Hein. Mais j'ai hâte de te montrer ça. Franchement, j'ai hâte. Allez, deuxième. On fait ça bien. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, ok, supination, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, parfait. À savoir, là, je me sens bien, prêt à repartir encore, parce que mon corps, il demande, là, en fait, quand je donne 2 jours de repos à mon corps, il comprend pas, hein. Mon corps dit non. Là, j'ai trop d'énergie, là, faut que j'envoie.
Là, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre les 50 kilos et envoyer du développé couché. Envoyer des trucs durs, faire le dos, faire du rowing à 55 ou 57 kilos. Pas 60, mais proche de 60, tu vois. J'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment. Mais on va bosser intelligemment. Parce que c'est important, sûr qu'au taf, je me suis ouvert un peu le doigt. Je pense que ça va pas trop se voir, mais je me suis ouvert un tout petit peu. Faut que tu fasses attention. Mais je viens d'envoyer un. J'ai envie d'envoyer quand même. Donc c'est pas grave. Allez, c'est parti. Dernière. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Supplémentation. Une. Deux. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Six. Sept. Huit. Parfait. Pour les élévations latérales, c'est important ce que je veux dire. J'aime bien me pencher un peu vers l'avant, tu vois. J'aime bien, normalement, ça c'est la position normale sur le banc. J'aime bien m'avancer un peu pour faire ma série, tu vois. C'est pas que le mouvement est mal fait, c'est que j'ai un meilleur ressenti au niveau des épaules quand j'avance mon buste, tu vois. Il y en a, ils ont une préférence à rester droit. Moi, quand je reste droit, j'ai l'impression que c'est vraiment mes trapèzes que je sens. Je sens que mes trapèzes sont déjà prédominants. Et j'ai envie de les engager au maximum. Donc, quand j'avance mon buste, je les désengage et je bosse mieux mes épaules. Et ça, franchement, c'est un kiff. Le ressenti, j'aime vraiment beaucoup. Deuxième exercice, on va se faire des élévations latérales, mais en unilatéral. OK? On va se faire 8, 8, 15. J'aime bien faire, comme j'ai tout le temps, c'est faire, hop, serrer de chaque, serrer de l'autre. Après, je prends les deux haltères et je fais. Quand je bosse en latéral, je prends une charge plus lourde, je prends les 14 kilos, on est bien. Et pour les deux, on va garder les 8. Et on va essayer d'aller à 15 reps, histoire d'être bien, histoire de me chauffer un peu et peut-être retirer le haut. On va repartir aussi sur 3 séries. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours une main en bas. L'autre main, elle va être en bas, histoire de bien se tenir et pas trop se pencher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, parfait. Allez, on va à la 15. On va chercher les 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, parfait. Parfait, parfait. Là, je sens dire que je suis bien. Je sens dire que je commence à chauffer. Les 3 séries là, je serai bien. Là, j'ai un repos très court. J'ai un repos de moins d'une minute parce que j'essaie de me chauffer vite, de me faire mal. Et aussi de valider ma séance le plus rapidement possible, tu vois. Parce que voilà, j'ai bossé, hein. J'ai bossé, je suis fatigué. Je sens que l'énergie, elle est là, l'adrénaline, elle est là, mais ça va partir vite, je le sens. Je sens que demain, je commence super tôt. Donc, il faut que je valide ma séance le plus rapidement possible. Donc là, prendre énergie gel, tu connais toujours la base. Mets le code d'âme sur MyProtein pour me soutenir, c'est important. Et aussi, chope ton gel parce que ça, c'est un cheat code incroyable. Toujours en début de séance, quand ça commence, quand je suis chaud, parce que je sais, je suis au courant, quand je commence à me chauffer, quand je commence à envoyer là, ça là, ça va me servir. Allez, deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14, 15. Le fait d'aller jusqu'à 15, franchement, ça fait mal. C'est mal et j'aime bien. Je sens que la congestion, elle arrive. Elle sera pas ouf aujourd'hui, je pense, avec le taf là. Mais elle sera là. Elle sera là et c'est le plus important. Dernière. Allez, dernière, last, fais ça bien. Une, deux, trois, quatre, là on s'arrête à 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est mal. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Wow. On va retirer ça, là. On va passer dans des exos lourds. Mais épaule, faut pas trop rigoler avec ça. Donc on va monter progressivement en charge. On va commencer avec une double contraction, 14 kg. À paire, demi-rep, rep complète. Rep complète. On va essayer de ramener les haltères pour les toucher. Ok. Enfin, on va les rapprocher au maximum sans les toucher. On va se faire 10 répétitions, voir comment je me comporte. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ok. 7. 8, 9, 10, ok, parfait. Là, je me sens bien, c'est important, je me sentir bien, surtout quand tu sais que tu vas monter. Ça, je le redis parce que c'est important, il y en a qui disent que dans le développé militaire aux haltères, il faut incliner légèrement les bras vers l'avant. Quand tu fais ton mouvement pour mieux engager les épaules, tu vois, je fais tout le temps les mêmes rappels, mais faire des rappels. Moi, ça me fait trop mal, malheureusement. Ça me fait trop de douleur aux épaules. Et du coup, je préfère le faire bien parallèle, tu vois. Dès que je fais coucher, j'incline mes bras vers l'avant. Enfin, mes poignets vers l'avant, tu vois. Mais militaire, je peux pas. Donc, je préfère faire mon mouvement droit. J'ai de meilleures sensations et ressentis. Là, j'ai pris les 30. C'est avec la première série, j'essaie de faire entre 8 ou 10 répétitions à 30. Et c'est soit, après je me sens bien, c'est d'aller à l'échec avec les 14. Soit je sens que je suis trop fatigué, je me dis, vas-y, c'est bon, on va rester sur les 30. Donc on va voir. 30 kilos, franchement, j'ai des raquets là, c'est lourd. Très important, hein. ça va pas se voir, mais le coup de genou, c'est important, tu vois. Et je fais pas les deux en même temps, ok. C'est une épaule après l'autre, ok. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh. Allez, 14. Pareil. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. J'ai mal. Ah, j'ai mal. C'est incroyable. On va faire 3 séries comme ça. 3 séries pour être bien. Par contre, ses épaules, faut attention. C'est très fragile. C'est bien de les bosser. C'est bien de mettre lourd. Si tu les développes, il faut mettre lourd. Faudra mettre lourd. Mais fais attention. Parce que tu peux te blesser facilement. Et quand tu te blesses, c'est terminé. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus bosser ton haut du corps. Vraiment. Et tu as perdu du temps. Donc, les épaules, vraiment, fais attention. Bosse-les intelligemment. Échauffe-toi bien, tu vois. Moi, les 30, j'ai fait 14 après 30. Parce que les 30, je sais que je les passe, tu vois. Je les maîtrise, je les passe. Peut-être avec la fatigue, c'est un peu dur. Mais je les passe. C'est une charge que mon corps connaît. Mon corps, il connaît 44 au maximum aux épaules. Donc, les 30, ça va. Tu vois. Mais toi, jauge. C'est vraiment important ce que je te dis. Ça va te faire gagner du temps et te faire progresser. On passe à la deuxième. Là, tu vas bien voir le coup de genou. Là. Tu vas bien le voir. Deuxième. Fais ça bien. Comment ? Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait mal. Ça fait mal. On a un peu moins de la moitié, 14. Mais on valide. Allez, 5. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow. Ça, c'est le truc que je fais plus. C'est en squelette, épaules et tout. C'est le truc que j'ai arrêté de faire. Ça, je fais vraiment juste pour la vidéo. Hein. Ça me tue. Ça me tue, c'est incroyable. Donc une dernière. Je vais voir si je suis monté au niveau poids, mais non, c'est mort, on va rester à 30. On va être raisonnable. On va rester à 30 kilos. C'est important. Troisième, dernière. Fais ça bien, juste 3. Allez, on y va. Et 30. Et je t'assure, 30, c'est lourd. C'est très lourd. Pour les épaules. Last. Dernière. Fais ça bien. 10. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C'est un nerf parce que je suis pas bien assis. Je me cambre sur le siège. C'est pas bon. J'arrive pas à m'asseoir bien au fond du siège, tu vois. Je me cambre. Du coup, mes lombaires, ça tire un peu dessus. 15 reps, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ah, j'ai mal. Oh, mais là, là, ça me brûle. Ça me brûle pour de vrai. Tu vois, en fait, le problème, c'est que j'ai légèrement séché, donc je suis un peu plus tracé. Dès que je suis comme ça, on va dire que je suis chargé, tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dès que je sèche un tout petit peu, les veines apparaissent. On dit que je suis chargé. Quand je suis volumineux, je suis flotteux, j'ai un ventre.
et tout. Là, on dit rien, on dira, t'as un ventre, t'as un bide et tout. Quand je suis comme ça, là, c'est mort. Je fais juste attention à ce que je mange, un tout petit peu, hein. Légèrement, on dira, t'es chargé. Là, les gens vont me tuer un jour. De base, le développé militaire, je préfère le faire à la barre. Mais là, j'ai fait aux haltères. Comme ça, tous ceux qui sont fans d'haltères sont contents. Tous ceux qui disent qu'ils préfèrent le faire aux haltères sont contents. Et moi, je les fais aux haltères. Je suis content aussi. Mais voilà, je préfère à la barre. Je sais pas pourquoi, je préfère. Mais enfin, ça me fait moins de douleur. Je sais pourquoi ça me fait moins de douleur qu'aux haltères. Mais là, haltères, ça va, ça me fait de moins en moins de douleur. Donc, je peux recommencer à m'adapter tranquillement. Mais je compte pas dépasser les 44 kilos. Peut-être 46, 48, mais à la 50, 60 kilos, c'est mort. Les épaules, c'est trop fragile. Et j'ai peur. Franchement, j'ai peur parce que tu peux te faire mal vite. Et comme j'ai dit, hein, même si tu es chargé ou pas, quand tu te fais mal aux épaules, fin de carrière, terminé, tu peux plus rien faire. Vraiment, il n'y a rien qui peut réparer ça. Là, on va passer aux élévations frontales avec haltères, histoire d'avoir une bonne veine au niveau des biceps. Ce sera bien, biceps et épaules, tu vois. Tu vois la veine de l'épaule qui descend sur le biceps, on va faire ça bien. Donc, est-ce que j'irai sur les 14? Non, 14 c'est trop long. On va mettre soit 12 kilos, soit 10 kilos. On va voir ça. C'est un mouvement que tu peux faire assis ou debout. Moi, je le fais assis pour des raisons de tournage, mais je préfère le faire debout en général. Là, c'est juste pour toi, je le fais assis. Allez, on va commencer 10 répétitions unilatérales, tranquillement. Et puis, c'est parti. Allez. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. 10. Ok. Franchement, comme je le dis, hein, l'avant des épaules, dès que t'as ta veine là, c'est important. Et là, ils disent faut pas le bosser. Faut le bosser, les gars. Faut le bosser. Faut qu'on ait notre veine, c'est important. C'est très important. Et je vais repartir là. Je souffle un peu. Je peux m'agorger, je repars. Tranquillement. On va essayer de tenir 2 secondes de contraction. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à 10, mais je me sens bien là. Je me sens bien. C'est l'énergie gel. Il agit. 1, 2. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1, 2. 1, 2. 4. 1, 2. 1, 2. 5. 1, 2. Allez. 1, 2. 6. 1, 2. 1, 2. 7. Allez. 1, 2. 1, 2. 8. 1, 2. 1, 2. 9. 1, 2. 1, 2. 10. Ok. Oh. Franchement, j'ai mal. J'ai mal. Ça fait du bien. C'est tellement du bien. Là, c'est depuis que j'ai fait la séance que biceps, je me suis dit, ça peut être bien de faire genre que mes épaules, que les pecs, que le dos. Un jour, bah là, cette séance-là, c'est que les épaules, vraiment. Et j'aime bien. Bon, après, peut-être que je vais faire les bras, parce que là, les bras, ils sont bien. Je sens que, voilà, tu vas peut-être faire un exercice ou deux, mais ça fait du bien de bosser que les épaules, vraiment. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai renommé les vidéos que je faisais en bulk day, tu vois, avec le jour. Genre, sens 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer d'aller à 100, ok? On va essayer d'aller à 100, ou faire le plus de séances qu'on peut. Ça fait un peu comme Sam Sulek, hein, pour ceux qui suivent Sam Sulek.
Mais ces séances-là, je les ai faites il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Je sais plus. Ça s'appelait séance en immersion. C'est des choses que les gens, ils aimaient bien. Hein. Ils aimaient bien me suivre en séance en immersion. Donc je me suis dit, on va recommencer. On va continuer, on va faire ça bien. Et puis voilà, on va faire comme ça le sujet. C'était dur un peu de les faire avant, parce que avant j'attendais qu'il y ait très peu de gens à la salle pour les faire, parce que je n'aimais pas trop parler en salle. Là c'est différent, j'ai changé, j'ai grandi, tu vois, maintenant il y a des gens autour de moi, je me tape, je retourne ce que je dis, je m'en tape, juste je parle avec toi, je te donne mes conseils, on discute, je m'entraîne, je valide ma séance, tout le monde est content, tu vois. Donc j'espère que tu aimes bien et que tu as aimé cette série de vidéos, parce que je compte vraiment aller loin, je compte vraiment faire des choses bien. Et puis voilà, la série sur FootUS, je sais pas si je vais la mettre en stand-by ou si je vais l'arrêter, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de faire des séances comme ça, tu vois, où je te parle et je discute. Peut-être que je vais faire des séances spéciales pour FootUS, mais on va parler en même temps, on va discuter. Mais j'ai envie de m'orienter plus vers ces vidéos-là, tu vois. Les vidéos réelles, les vidéos où on est à la salle, on s'entraîne, on parle ensemble. Les vidéos où je suis assis à la maison, je te dis ma séance, je te dis ce que j'ai fait et tout, c'est bien, mais j'en ai marre. Je préfère faire du contenu beaucoup plus naturel, tu vois. Et j'espère que ça se ressent dans les vidéos, dans ce que je dis, dans ma façon d'être. En tout cas, j'essaie d'être le plus naturel possible, le plus franc possible aussi avec mes propos. Et puis voilà, on avance comme on peut avancer, tu vois. Là, il m'en manque une. Parce que j'allais dire, on va faire arrière-épaule, mais non, il m'en manque une. Dernière. On va tenir aussi 2 secondes. On va faire aussi quelques 2 secondes. Ça fait mal, ça tue, mais on va faire aussi ça. 2 secondes de blocage en haut. Allez, c'est parti. 3e. Fais ça bien. 10 kilos. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, allez, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2. Ouais. 1, 2, 7. Allez. 1, 2. 1, 2, 8. 1, 2. 1, 2, 9. 1, 2. 1, 2, 10. Ok. Vraiment, je compte avoir le meilleur physique possible, la meilleure condition possible, le meilleur niveau possible que je peux atteindre naturellement. Je compte le faire et je compte l'atteindre. Là, tu vois, j'ai perdu 5 kilos. J'ai fait un peu le con, j'ai acheté du chocolat, des sneakers, des trucs comme ça. Je finis tous mes paquets tranquillement, je prends mon temps pour les finir. Et une fois que je les finis, je vais me faire des semaines à 0 sucre. Quand je dis 0 sucre, c'est pas comme les bodybuilders où voilà, j'ai mangé que du riz, du poivre, tu vois. Je vais faire plus de grignotage. Le seul sucre que je vais m'autoriser, c'est compote de pommes, c'est tout. Et puis voilà, le reste, il n'y aura pas de sucre, rien, pas de Nutella, rien, parce que le matin, je me la fous, Nutella, biscuit, tout. Je vais couper tout ça. Ça sera galette de riz et on sera tranquille. Parce que c'est important. Je le coupe 2 secondes. Dis-moi, mec. Allez voir son code MyProt. C'est un bon. C'est lui. Important, mec. On va aller checker le code MyProt pour lui c'est donner de la force. C'est important, mec. Merci. Merci, le merci. Mec, il a un vrai physique. Il donne des vrais conseils, alors. Mec, t'es beaucoup plus fort que moi, mec. Arrête. De toute façon, on fera des sensations street ensemble, de toute façon. On va faire ça. Mais t'inquiète, bientôt on se fait le street ensemble. Bientôt, mec, je suis là. L'arrêt des épaules, c'est très dur à développer et c'est génétique, quoi, pas se mentir, mais tu peux quand même le développer, le faire sortir un tout petit peu. Pour ça, je vais te montrer l'exercice ultime, je l'ai déjà montré, mais là, je te le remontre. C'est le oiseau halter en prise pronation. Prise pronation, cette prise-là, là, ok? Tu vas balancer directement sur le côté, mais avec les deux, ok?
Ça, c'est important. Tu sentiras que l'arrière des épaules. J'ai pris 6 kilos. Faut pas prendre trop lourd, tu verras. Si tu te moques de mes 6 kilos, essaye avec 6 kilos, tu verras que c'est dur. On va essayer de faire 12 répétitions, 3 séries et être bien. Ok? Être bien. On va faire ça bien. On prend comme ça nos haltères. Ok? Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ah. Franchement, c'est mal. Mais c'est bien. C'est bien. Comme ça qu'il faut les bosser. Moi, c'est le meilleur exo. Parce que le problème, l'oiseau haltère en prise neutre, comme ça, c'est bien. Hein. Tu vas bosser à l'arrière des épaules, mais ton dos va prendre un peu. Et si t'es comme la plupart des gens, on va dire, là je mets un chiffre au hasard, hein, mais je pense que 30% des gens, quand ils bossent leur dos, ils ont des gros dos, tu vois. C'est mort, tu sentiras que ton dos, tu sentiras pas tes épaules. Et le but, c'est vraiment sentir que les épaules, en les isolant avec un exercice, ok, qui bosse que ça. Deuxième série. Deuxième. Allez. On en fait trois. Hein. Trois après, peut-être que je fais les bras. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Allez. Dix. Onze. Douze. Ok. Il m'en manque une dernière. Une dernière. C'est bon, c'est terminé. En ce moment, je reçois pas mal de questions sur Instagram, pas mal de questions avec le sport, la muscu et tout. Je suis content, hein. Merci. Ça faisait longtemps que ça m'était pas réarrivé d'avoir plein de questions par rapport au sport. Mais les gars, pour la plupart, vous me posez des questions que j'ai déjà traitées en vidéo. Il me semble que sur YouTube, on a plus de 1000 vidéos, si je me trompe pas. On s'approche des 1000 vidéos. J'ai traité tous les sujets de sport. Et dans la majorité des questions que tu me poses, j'ai fait une vidéo dédiée dessus. Donc, j'invite tout le monde à regarder mes anciennes vidéos, ok? Si par exemple, tu m'envoies un message et je t'envoie par vocal, franchement, je l'ai traité en vidéo, va voir sur YouTube. Si je l'ai traité, va voir. Et je suis pas une bibliothèque, tu vois? Ça veut dire que moi-même, j'ai la flemme de rechercher mes vidéos. Je vais pas trouver la vidéo et te l'envoyer. Non, cherche. Honnêtement, cherche. Il y a plein de vidéos, il y a plein de sujets. Cherche, tu trouveras. C'est comme un livre, tu vois, comme une encyclopédie. Tu cherches, tu trouves. Sinon, tu mets Dame Jordan créative, Dame Jordan bras, Dame Jordan. Et tu trouves. Je suis bien référencé maintenant. Enfin, dans les recherches, quand tu mets Dame Jordan et un muscle, tu vas trouver une vidéo de moi. Mais voilà. Trouve, ok, trouve. Si c'est un sujet que j'ai jamais abordé ou si c'est pour des programmes ont suivi à distance, je suis là, je vais te répondre et voilà, on va faire les choses bien. C'est pour quelque chose que j'ai déjà dit, en vrai de vrai. Les gars, cherchez sur mes anciennes vidéos, c'est important. Last, dernière, fais ça bien. Allez. Une, deux, trois, jusqu'à 20, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. Parfait. Tu vois, quand la charge a commencé à être lourde, mon bras, au lieu d'être tendu, il plie un peu, tu vois. Et mes triceps, ils prennent un peu dans le mouvement. Du coup, faut que je fasse ce son de bien tendre mes bras quand je le fais, tu vois. Bien tendre et pas faire ça. Je bosse un peu l'arrière des épaules, même bras pliés, mais c'est pas bien, tu vois. Faut vraiment que je me concentre. Et là, ce qui est bien, c'est que je me filme, c'est bien, mais je fais des erreurs, je les vois et je les corrige. Ces vidéos-là sont faites pour ça aussi, elles sont faites pour moi, pour corriger, pour m'améliorer, mais aussi pour te montrer comment on fait des vrais entraînements, comment on se fait mal, comment on n'a pas beaucoup de temps, on a envie de se détruire. Voilà, on fait un truc fast. Par contre, c'est très important pour tous les gens qui me suivent en programme à distance, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous suivez les programmes de dames, c'est important.
vous suivez mes programmes. Comme j'ai dit, moi, j'entretiens mon corps. Au niveau de la prise de masse, la prise de muscle, c'est très compliqué, hein, naturellement. C'est très compliqué. Si je veux prendre encore plus, je pense que je peux prendre encore 1 ou 2% de muscle, mais après, c'est bon. Si je vais devoir dépasser un niveau, il faut que je me charge. J'ai pas envie, clairement. Donc là, je suis plus dans l'entretien, plus dans l'esthétique. Me tracer un peu plus, être un peu plus veineux, être un peu plus tracé que dans la masse. Donc ça, je sais que je peux aller le chercher. C'est un peu plus dur, ça fait un peu plus mal. Et je peux le faire avec l'entretien, les exos que je fais là, tu vois. Donc nous, on est dans l'entretien. C'est important. Je devais pas faire les bras, mais là, j'ai envie de faire un exo cool. J'ai vraiment envie de faire un petit curl. Donc j'ai pris 18 kilos. On va faire du curl en neutre. Peut-être une série ou deux pour rigoler, pour être bien, voir la congestion. Et puis voilà, on va essayer de bloquer 2 secondes. 10 kilos, c'est lourd. On va essayer. Allez. 1, 2. Ouais. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1, 2. 1, 2. 4. 1, 2. Ouais. 1, 2. 5. 1, 2, ouais. 1, 2, 6. 1, 2. 1, 2, 7. 1, 2. 1, 2, 8. Je suis mort. Ah, je suis mort. C'est incroyable. Bonhomme, ma congestion, enfin, je sais pas si ça se voit bien. Je pense que oui. Ah, c'est incroyable. Je suis bien. Vraiment bien, et c'est fou, le fait de perdre quelques kilos fait que les veines reviennent, c'est incroyable. Je vais peut-être faire du curl serré. Je fais du curl serré après, c'est bon, on part. Je parle un peu avec le frérot, du coup je me suis refroidi, je vais mettre comme ça, je vais faire 20 répétitions. Ah non, 20, ça va être dur. On va essayer. Après, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on peut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. Par contre, la congestion, elle est incroyable. Tu vois, là, si j'avais fait une séance bro aujourd'hui, là, franchement, et si j'avais pris aussi un pré-workout, ce serait trop. Vraiment. Ah. L'infini. Enfin. Séance terminée, je me suis pas fait chier. Épaules, les exobras. On est bien, je suis content. Là, demain, je bosse. Peut-être que demain, je vais venir, tu vois. Parce que demain, je bosse. Après, j'ai un jour de repos. Demain, on est samedi. Samedi, il y a pas beaucoup de gens à la salle. Donc, peut-être, on se fait une petite séance. Je vais voir. En tout cas, si t'aimes ce contenu, je te le redis. Hein. Mets un j'aime, vraiment. Mets un j'aime. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo. On va faire les choses bien. Roi de tous sans épisodes, tu vois. Roi de tous sans épisodes. On va y aller. On va se battre. Et puis, voilà, j'ai kiffé. Hein. Mets le code TAM sur MyProtein. Si tu veux me soutenir, c'est un petit truc à acheter. On est ensemble. Ça fait plaisir. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.